Lors d'un atelier organisé à Dakar en décembre 2011 par la Commission sous-régionale des pêches et ses principaux partenaires techniques et financiers, plus de 120 acteurs de la sous-région se sont réunis pour assister à la restitution d'une vaste étude sur le rôle des aires marines protégées dans la gestion des pêches. La Commission sous-régionale des pêches est une organisation de coopération halieutique qui regroupe 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone. Face à une crise de plus en plus prononcée du secteur de la pêche, ces pays cherchent à développer de nouvelles approches de gestion. Parmi celles-ci, l'utilisation des aires marines protégées semble prometteuse et suscite beaucoup d'espoir. Car en permettant la conservation des écosystèmes, ces AMP pourraient contribuer à gérer durablement les ressources exploitées par un nombre considérable de pêcheurs artisans de la sous-région. À l'occasion de cet atelier, animé par un groupe d'experts internationaux, spécialistes de l'écologie, de la socio-économie et de la gouvernance, des points de vue parfois divergents ont pu s'exprimer. Je pense que ces jours d'atelier sont intéressants. Dans la mesure où tout d'abord, ils vont nous permettre, aux participants d'avoir une mise à niveau. Donc, on échange, on est en présence d'experts haut de gamme et on peut discuter de certaines problématiques de conservation, notamment le rôle des AMP, leur pertinence, leur acceptabilité et leur perception, la perception du public par rapport à ces AMP, et surtout se mettre d'accord sur une approche commune que la Commission sous-régionale des pêches, qui est l'organisatrice de cet atelier, c'est une approche commune que nous devons développer pour faire de ces AMP de véritables outils de pêche. Ce travail de la CSRP est vraiment importante parce que c'est une des premières tentatives peut-être de mettre vraiment ensemble dans le même document et donc finalement de poser sur la table conjointement les deux angles, les deux perceptions de ce que peuvent être, de ce que pourrait être la protection d'aires géographiques pour la pêche et pour la conservation. Moi, ce que j'entends de cet atelier, c'est que les gens qui avaient comme objectif la préservation et la conservation conciliées avec elle le développement. C'est-à-dire de permettre aux politiques africaines qui sont basées sur la lutte contre la pauvreté de pouvoir profiter de ces aires marines protégées, sans pour autant que les écosystèmes soient dérangés. Donc nous devons trouver un juste milieu qui permet aux uns et aux autres d'atteindre leur objectif. Il faut, nous les conservateurs, que nous ayons des arguments pour présenter aux décideurs, pour que la volonté politique soit un peu guidée aussi par nos, si vous voulez, par ce que nous voulons, c'est-à-dire par la conservation. Si nous avons des arguments pour dire que voilà la valeur économique, quand nous préservons cet espace, ce que ça pourrait rapporter, ça c'est important. Il faut faire la démonstration qu'on peut réconcilier des objectifs de production halieutique avec des objectifs de conservation. Et ça, le fait de spatialiser la gestion, de considérer qu'il y a des zones où on exploite et des zones où on limite la pêche, voire des zones où on interdit totalement la pêche, est une condition sine qua non pour réconcilier ces objectifs d'exploitation et ces objectifs de conservation.
la plupart des aires marines protégées qui ont été créées en Afrique de l'Ouest, et notamment celles qui ont été créées depuis une dizaine d'années, elles ont deux caractéristiques principales. La première, c'est que c'est des aires marines d'une taille très réduite. Voilà, il y a une taille de ces aires marines protégées qui est trop petite pour avoir des effets réels sur l'état des ressources marines, sur les grands stocks de poissons et du coup, au bout du compte, sur les grandes pêcheries de la sous-région. Et puis elles ont été créées avec l'idée, à mon avis, naïve et qui ne peut pas être vérifiée, qu'elles pouvaient remplacer des modes de gestion traditionnels. Les aires marines protégées doivent être un outil additionnel, mais elles ne peuvent être efficaces qu'intégrées dans un plan de gestion global qui gère également les capacités de pêche, l'effort de pêche, les engins de pêche, etc. Il est trop naïf de penser que les aires marines protégées à elles toutes seules peuvent résoudre l'ensemble des problèmes de la pêche. Il nous paraît qu'il serait plus facile de mettre en place un petit nombre d'AMP assez grandes placées dans des endroits critiques pour le système et pour les pêcheries qui y travaillent, plutôt que de travailler pêcherie par pêcherie pour savoir quelle petite AMP pourrait être utile pour quel type de pêcherie. À notre avis, en coupant un peu trop les cheveux en quatre, on va donner une tâche aux administrations locales qui sera infaisable. C'est trop tôt de parler des effets positifs de ces aires marines protégées que nous avons déjà créées ou bien que nous allons créer dans le futur proche. Parce que en matière de pêcherie, par exemple, le timing qu'il faut, c'est 10 ans pour analyser les données récoltées et faire des modélisations, si vous voulez. Les bénéfices de la conservation seront mesurables dans un futur plus ou moins proche, mais pas immédiatement. En revanche, par conservation, j'entends restriction des activités, exclusion de certaines personnes ou de certaines techniques, etc. Alors que les impacts négatifs seront perçus immédiatement. Et il faut reconnaître que c'est une position très difficile pour un gestionnaire de justifier des coûts qui sont perçus par ces populations immédiatement en leur promettant des bénéfices qui seront dans le futur, est souvent pas facile à mesurer. On a toujours tendance à croire que la vérité scientifique est absolue, ce qui n'est pas du tout le cas, notamment sur les questions de sciences appliquées aux ressources naturelles. Il y a beaucoup d'incertitudes. Ces incertitudes dépendent à la fois des informations qu'on intègre pour prendre la décision, de leur interprétation, mais aussi de la limite des outils même qu'on utilise pour un peu tirer l'information qu'il faut. L'autre chose, c'est le niveau de complexité, c'est au niveau même opérationnel. Hein. C'est-à-dire que si on prend l'écosystème, quand on prend une décision, on ne sait pas forcément la réaction que l'écosystème va donner. Je veux dire que quand on prend une AMP, et vous l'avez vu avec les résultats, on n'est pas effectivement forcément sûr des effets que ça va produire. L'autre chose, c'est sur les systèmes socio-économiques. Là aussi, il y a une grande incertitude, hein, donc on ne sait pas exactement comment le système socio-économique réagit en fonction des décisions qu'on prend. Comme tout investissement, cet investissement dans la conservation présente des coûts et des avantages. Ces coûts et ces avantages sont
inégalement répartis au sein de la société, inégalement répartis dans l'espace tout d'abord, parce qu'une aire marine protégée, c'est un certain nombre de restrictions d'usage qui affectent plus ou moins certaines populations. Ce sont des bénéfices marchands ou non marchands qui peuvent concerner les populations de pêcheurs, mais qui peuvent aussi concerner d'autres usages, l'écotourisme par exemple. Donc il faut essayer d'évaluer la balance entre ces coûts et ces avantages. Quelles sont les populations qui bénéficient le plus et quelles sont les populations qui vont être le plus gênées par les mesures qui sont prises. C'est également un problème temporel. Les coûts des restrictions sont souvent se font sentir souvent à court terme, rapidement, alors que toute une partie des avantages sont différés dans le temps, à plus ou moins long terme. La conservation de l'écosystème, l'amélioration des ressources halieutiques, ça prend du temps. Et donc, il faut être capable de pondérer ces différents éléments pour voir d'une part si le bilan global est positif et d'autre part, comment se répartissent entre les différentes parties prenantes les bénéfices et les coûts de l'opération. De telle façon que, éventuellement, des mesures compensatoires ou des mesures d'accompagnement puissent être prises, de façon à ce que l'aire marine protégée soit acceptable, si possible, par l'ensemble du corps social. La mise en place d'une aire protégée n'a pas que des bénéfices, comme une mesure de pêche d'ailleurs traditionnelle n'a pas que des bénéfices, elle a également des coûts. Il faut être capable d'anticiper ces coûts aussi bien qu'on peut le faire avec les données qu'on a sous la main. Si on a de grands modèles mathématiques dans des ordinateurs, tant mieux. Et si on n'a qu'un arbre à palabres et des pêcheurs autour, tant pis, on fait avec ce qu'on a, mais c'est faisable. Et il faut avoir ensuite surtout la volonté de penser en termes de compensation, d'activités complémentaires, par exemple pour les communautés, etc. Donc on peut le faire à un niveau très sophistiqué. En théorie, on peut le faire à un niveau simple. Encore faut-il avoir la volonté d'intégrer la conservation et la pêche dans un système qui est fonctionnellement intégré. Ce qui souvent, mais malheureusement trop souvent, n'est pas le cas. Essaie de se rattraper pour essayer de voir un peu dans ce processus de création des AMP, est-ce qu'on a tenu compte d'un certain nombre de critères qu'on a exposés ici, notamment à savoir la définition des objectifs, parce que si on ne définit pas des objectifs à ces AMP, ça veut dire qu'on ne peut pas évaluer leur efficacité. C'est ce qui manque souvent. Alors, dans la définition de ces objectifs, plusieurs niveaux doivent intervenir. Évidemment, on doit voir du point de vue écologique, quels sont les objectifs qu'on voudrait que l'ANP atteigne du point de vue socio-économique. Donc tout ça, ça doit être clair pour pouvoir un peu suivre et évaluer l'efficacité de ces AMP. Un grand nombre d'aires protégées ont été établies, mais n'ont jamais été accompagnées de tout ce qui fait qu'une AMP fonctionne. C'est-à-dire que très souvent, il n'y a pas de plan de gestion, il n'y a pas de budget. On les a mis en place un peu comme si on avait fait l'hypothèse qu'elles allaient se gérer toutes seules et que sans intervention humaine, la biodiversité contenue à l'intérieur de ces aires allait s'améliorer d'elle-même. La communauté mondiale dans son ensemble reconnaît qu'il y a une très grande proportion des AMP qui ne fonctionnent pas. On les appelle des AMP de papier parce qu'elles existent sur le papier, mais dans la réalité, elles ne fonctionnent pas. Je dois dire que lorsqu'on examine la pêche, les conclusions sont pratiquement similaires. On a aussi des milliers de pêcheries gérées dans le monde, et la grande majorité de ces pêcheries ne sont gérées que sur le papier. Dans la réalité, il n'y a pas de contrôle de l'effort de pêche, il n'y a pas de contrôle de la capacité de pêche.
Donc, je crois qu'il faut reconnaître que quand on dit que la grande majorité des AMP ne sont pas gérées, la grande majorité des pêches ne sont pas gérées non plus. L'enjeu pour la sous-région maintenant, c'est de se doter de bases plus solides, à la fois plus de moyens financiers pour le lancement et surtout de positionner des AMP sur des sites qui soient pertinents d'un point de vue biologique pour la ressource, socio-économique par rapport à la pêche. Et sortir des AMP de papier, quoi, sortir de ça. Voire même, pourquoi pas supprimer carrément des AMP qui existent sur le papier, mais qui ne fonctionnent pas et qui ne sont même pas pertinentes d'un point de vue biologique. Alors, pourquoi pas arrêter d'en parler et puis passer à quelque chose de plus efficace. L'AMP, c'est un instrument de gestion indispensable. Mais cet instrument de gestion doit être un instrument qui est concerté entre les pêcheurs qui pêchent dans la zone, l'administration des pêches et l'administration chargée de l'environnement, c'est-à-dire des parcs. On doit se retrouver et déterminer ce qu'il faut pour qu'ensemble nous ayons... Mais quand c'est l'une des parties qui prend la décision, ça n'aboutira pas. Il faut que ça soit concerté, qu'on se fixe les règles réelles, qu'on détermine la zone, qu'on détermine, qu'on revoit comment on doit pêcher dans cette zone. Et c'est ça qui est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas concerté et voué à l'échec. That's the more we believe that you can only implement MPA successfully with the total involvement of stakeholders. Stakeholders I mentioned include fisher folks, fisher people, fishermen, you know. And you know, you will agree with me that there will not be enough policemen or military people to police, you know, or to implement the ban that is naturally going to come, you know, with the establishment of an MPA. So it means you have to rely on the involvement of the people to ensure that they understand what you are coming to do and that they see, you know, you create a weak feeling in them that, you know, we have to ensure that people don't break the laws. You know, if this is a closed season, they should ensure that others are not going there to fish. If it's a no-take area, they should not, you know, they should be able to police that. You know, it's not the government or the ministry that will post extension of officers or agents to police or to enforce the implementation of strategies of the MPA. Because government cannot control, it's too cost for him. Incoming, say, monetary control and surveillance. But if we initiate it also, we are also part of exploitation. Now we have to initiate for ourselves. That is why we say co-management. We have to look for MOU from the government to allow us to have our own rules and regulations that we can initiate and control the resource at the level of our areas, our zones.
la protection ou bien la conservation de l'environnement, c'est d'abord une volonté politique. Il faudrait que nos pays comprennent que quand on parle de conditions minimales d'accès, quand on parle de la gestion intégrée de la zone côtière, c'est pour nous-mêmes et c'est pour les générations futures. Ça, c'est important. Et donc, qu'on y mette un peu plus de volonté politique et sûrement plus de moyens aussi. Parce que, bon, actuellement, c'est les organisations internationales qui nous aident. C'est que les administrations, ils ont le choix politique, la volonté politique, c'est leur responsabilité. Ils ont vraiment une responsabilité très grande pour organiser les choses. Et les bailleurs, pour accompagner, c'est de trouver des systèmes qui permettent d'accompagner sur la durée sans qu'il y ait de rupture de financement et que ça dure plus longtemps que 3 ans, quoi. Si c'est pas compatible avec la durée de lancement, avec la durée d'appropriation et de mise en œuvre et de fonctionnement d'AMP. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que dans les aires marines protégées, on utilise à la fois les expériences des uns et des autres. En se mettant autour d'une table et en négociant. Parce qu'il y a d'une part des connaissances à partager, mais il y a aussi des coûts à partager. Les systèmes de surveillance, par exemple, les systèmes de recherche, les systèmes de suivi, de collecte des données, etc. Il y a certainement beaucoup d'activités qui sont à la fois communes à la gestion des pêches et à la gestion des AMP, qui pourraient être partagées si le cadre de gouvernance était intégré. Et cet involvement da Comissão Subregional das Pescas com as questões das áreas marinhas protegidas, que normalmente está sempre a cargo da gestão do ambiente, portanto, muitas vezes em ministérios separados, organismos separados. Portanto, essa junção, eu acho que é muito bom para melhor se definirem estratégias nesses setores. Portanto, uma harmonização da atuação, portanto, nas estratégias políticas, portanto, ambientais e das pescas é mesmo necessária.